la dernière partie, vous avez libéré Paris. Il a libéré Paris. Ouais. C'est là, c'est Archibald, il faisait une sieste dans le Jeep en attendant. Il s'est dit, ça va bien, ils vont s'en occuper. Il va se débrouiller tout seul, ok. Donc. Il avait confiance en mes capacités pour gérer la situation. Oui. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vous avez été décoré d'une médaille et vous avez eu une promotion. Donc, Archibald, t'es maintenant major. Oui, effectivement. Le lieutenant Urso est maintenant le capitaine Urso. Gérard est maintenant caporal-chef. Et, si je me souviens bien, Frank était devenu adjudant-maître. C'est marqué ici, adjudant-maître, c'est ça. C'est ça. Donc, vous... et aussi, Doc Mark s'est fait transférer d'unité. Ils ont besoin de plus de docteurs pour les hôpitaux. Donc, comme il y avait un background en médecine un petit peu plus poussé que les autres médics qui sont juste fait dire « Tiens, il y a une trousse de premiers soins, puis arrange-toi avec tes troubles. » Il s'est fait transférer et maintenant il fait partie d'une unité médicale qui est uniquement des médics. Et, donc, il sera plus avec vous. Non. Chef, j'ai une écharde. Attends, j'amène la scie, faut amputer. Ça sonne plus comme Zoidberg dans... Dans Futurama, là, cette réponse-là. Ça, c'est la médecine niveau Doc Mark. Donc, tous les deux, vous, comme j'ai dit, vous étiez à Paris. Vous étiez en chemin, ils vous ont dit que pour vous, pour votre groupe, qu'il y avait quelques petites choses qu'ils voudraient que vous fassiez. Dans le fond, toi, Archibald, t'es fait dire qu'il fallait que tu remplisses des papiers, fasses un rapport de comment le combat s'est déroulé, puis tout, puis la paperasse, en fait. La paperasse, lieutenant Urso aussi a ça à faire avec toi. Et quoi? Le capitaine Urso. Le capitaine Urso, c'est vrai. Et le... Et toi, Frank, tu te fais demander de. Comme tu es un sniper, puis tu es bon pour escalader, puis tout, il te demande d'aller enlever le drapeau nazi qui est en haut de la tour Eiffel. Ah! La job de marde! Ah, bonne chance! Vas-y, mort! T'en fais pas, c'est moi qui l'ai demandé ça. Ouais. On mon petit pouvoir personnel. Donc. Tu grimpes en haut de la tour Eiffel, écoute, il y a une bonne partie que, tu sais, ça se fait bien. Mais, tu sais, que t'as des escaliers et tout, c'est fait pour monter dedans, oui, la tour Eiffel, là, une bonne partie. Et t'as une partie avec une échelle pour te rendre jusqu'en haut de la tour, donc je t'ai demandé de faire un jet de sport plus force. Alors, sport plus force... Si t'as pas de sport, je vais te. Je t'accorde de pas avoir le malus de pas avoir sport. Mais si t'as un bonus avec sport, t'as le bonus. J'ai 3 en sport. Ok, parfait. Fait que t'as le bonus. Faut juste que je retrouve dans toute la liste, dans tout le chat Discord, la formule qu'il faut pour lancer les dés. Vous en faites pas, je suis en train de remonter. Je vais bientôt la trouver en théorie. Ah, c'est vrai, tu peux pas remonter dans le chat du... Je vais te le donner, je le lis ici. Je l'ai fait... Attends, je le lis ici, là. Cherche pas, là. Je l'ai utilisé pour ma série Après Arthur. Je l'ai envoyé, dans le fond, dans le chat du Discord d'Après Arthur pour que tout le monde soit capable de l'avoir, là. Allez, on y croit tous. Non,
Comment ça, Hurlard? Attends. Pourquoi on va juste rire de toi tout le temps? Ne t'en fais pas, je te ferai pas ce plaisir. Ah, ce serait tellement de perte horrible. Au moins, mon personnage serait vengé. Quel personnage? Celui qui a fini en beauté? Ouais, explosé en 1000 morceaux. Ah là 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 là. Tellement de rancœur. Oui. Okay. Tac. Tac. Ça marche pas. Pourquoi ça décide de m'énerver? Ça marche pas parce que t'as pas besoin de ma... Non, parce que ta formule me dit qu'elle marche pas. Ok, change le X par un chiffre. Mettons 2. C'est le nombre de dés que tu vas brasser. Tu vois que ça marche? Toi, t'as mis... le okay, chiffre en bon, parenthèse. Bon, 4 succès, dont 3 critiques pour escalader. Parfait, donc tu montes ça à je pourrais pas dire, mais vraiment, mettons à la course, parce que c'est pas une course vu que c'est une échelle, là. Mais c'est autant à la course que ça peut être. Là, tu montes ça d'une traite. Ok. Bon, donc. Il est temps pour moi de brûler ce drapeau. Parfait, donc tu fous le feu au drapeau? Yavol! Parfait, donc tu mets le feu au drapeau. Et toi que t'es Archibald, t'es dans ton bureau. Et t'entends un petit peu le monde, pas tu sais, en train de parler, puis tout. Comme une foule qui se ramasse, qui parle à l'extérieur. Puis tu regardes par la fenêtre de ton bureau ce que t'es en train d'écrire le rapport, tu vois que il y a un drapeau nazi au sommet de la tour Eiffel qui est en train de brûler, puis dans le fond la foule c'est ça qui, de ça qui parle. Hein, regarde le drapeau brûle puis tout. Puis... Ouais, je vais profiter des petites flammes qui sont en train de descendre pour m'allumer une clope au passage et regarder la vue depuis le sommet de la tour Eiffel. Là, t'as des grosses chances de tomber si tu fais ça, hein? Tu lâches le main, ouais, tu t'étires pour rester dans la poignée. Non, non, non. Non, parce qu'il y a une sécurité. Pour sécurité. Pour éviter que ce genre d'erreur arrive. À cette époque-là, je sais pas, là, mais t'es correct, t'es correct. Donc, tu fais ça. Le drapeau finit par arrêter de brûler parce qu'il n'y a plus de drapeau, là. Pas faux. Bon, bah, je pense que maintenant, j'ai attiré leur attention et je vais retourner tranquillement à la base. Parfait. Donc, t'arrives à la base et il y a. Tu viens pour rejoindre Urso, Gérard et Archibald. Et il y a. Il y a un gars qui arrive, qui rentre dans la place. Vous remarquez que dans le fond, c'est un colonel qui rentre. Puis, il vous dit, messieurs, je suis content de vous voir aussi. Il y a quelqu'un qui voudrait s'entretenir avec vous. Si vous voulez me suivre. On va le suivre. Parfait, donc. Je vais juste. J'ai pas tout à fait fini de préparer la scène. Donc, il vous fait sortir des bureaux et vous voyez qu'il y a un véhicule blindé qui est quand même d'une grande technologie pour l'époque. Vous voyez ça et vous voyez que c'est pas genre les blindés que vous voyez d'habitude. C'est probablement un prototype ou quelque chose comme ça. Et... Il vous demande, le colonel vous demande de rentrer, il dit que la personne qui veut voir est à l'intérieur. Ok, on va rentrer. Parfait.
Donc, vous rentrez dans le véhicule. C'est ça. Et ça, c'est le véhicule. Donc, vous voyez un homme qui est assis avec... dans le fond, il était habillé avec un complet. OK. Et il vous dit... si vous voulez, vous pouvez vous asseoir... si vous voulez, vous pouvez vous asseoir pendant que je vous parle. Donc, Gérard et Urso, ceci. Je sais pas si vous le faites de même. Okay. Oui, je m'asseoir. Enfin. Aussi. Enfin. Donc, il vous dit que, dans le fond, qui fait partie du service secret canadien. Puis qu'ils ont remarqué, le service secret, que vous vous avez fait du bon travail. C'est ce, surtout, tu sais, Frank Gérard et Urso, être capable à très peu de soldats survivre au débarquement de Normandie, puis avoir un si grand impact, tu sais, sur la bataille de Caen. Et aussi Archibald, c'est sur la bataille de Caen, puis aura été capable de faire face... avoir été capable de faire face au Hauptmann Klaus Stein, qui est la personne qui était en charge du bâtiment que vous avez pris, qui était un des officiers les mieux regardés chez les Allemands. Puis il dit que pour l'avoir affronté trois fois puis avoir gagné les trois fois, tu sais, il te félicite. Et dans le fond, il dit que il y aurait justement Klaus Stein qui il est dans leur ligne de mire et il voudrait dans le fond être capable de se débarrasser de lui avant qu'il commence à faire trop de dommages. Donc, il dit, je vais pas vous mettre directement dans cette mission-là. J'aurais besoin de tester un petit peu plus, vos compétences ensemble, en dehors de vos compétences en stratégie. Mais je serais intéressé à vous recruter dans le CSIS. Donc, qu'est-ce que vous en dites? J'aimerais en savoir plus sur le CSCS. CSIS, c'est... le service secret, service d'intelligence secrète canadienne. Okay. Est-ce qu'on a déjà entendu parler d'eux avant aujourd'hui? Un peu. C'est... tu sais, vous connaissez James Bond, puis le MI5, vous connaissez le CIA... Puis, tu sais, ces affaires-là, bon, ben, le CSIS, c'est le l'équivalent canadien. Surtout du MI6, en fait. Ok, ouais. Je vois l'image. Ben, je vois le. Je vois le topo de qu'est-ce que tu faisais. Ouais. Donc, c'est juste la musique de Mission Impossible en tête. Si tu veux. Donc, il vous dit que. Il y aurait une mission pour vous pour tester vos compétences. Il y a dans le fond un groupe de SS dans un petit village rapproché qui est en train d'essayer de capturer des juifs dans cette place-là. Et dans le fond, si vous pouvez aller là et vous occuper des SS. Ça vous montrer dans le fond que vous êtes capable de faire la job. Ce serait comme votre mission test, en fait. Puis il vous donnerait la mission d'arrêter Klaus Stein. Ok, ouais. Est-ce que l'échelle de 1 à 10 est dangereuse comment? 12. C'est facile. Ben, c'est quoi le nombre les forces est-ce que vous savez le nombre de personnes de genre reformule ma phrase. C'est quoi les forces qui sont sur place? C'est des SS. No way. Je veux dire, c'est le nombre de personnes qui sont sur place. Une division.
division, un régiment. Non, 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 c'est un petit groupe là, ils sont 6. Ils sont 6. Ok, ça pourrait être gérable. C'est une section là. C'est ça, c'est une section, c'est gérable. Non, à 4 vous êtes correct là, c'est pas. On vous en va pas vous faire tuer là. Non, c'est ça, c'est gérable. Toi, qu'est-ce que t'en. Non, c'est moi qui décide. Ben, en fait, l'offre est à tout le monde là. Vous pouvez dire oui ou non. Pas de problème à ça, on est 4 contre 6, c'est pas si pire. Parfait, donc Urso dit rien. J'ai dit moi je suis d'accord avec ça. Tant qu'on est capable de se débarrasser des Allemands, moi j'ai pas de problème. Frank, qu'est-ce que tu dis? Ouais, pourquoi pas. Je suis dubitatif, là. T'es dubitatif? Ouais. Je pensais jamais dire ce mot un jour, mais je l'ai dit. Ça veut dire quoi, ce dubitatif? Bah, en gros, je dis ça, mais pensif, quoi. L'air de dire, est-ce que je suis pas en train de faire une grosse connerie? Genre, la dernière de ma vie. Donc, Urso, il accepte aussi. Donc, vous faites transporter jusqu'à la place. Puis il dit, je vais vous laisser ici, aux abords de la forêt. Vous allez pouvoir traverser la forêt, puis vous allez tomber, dans le fond, sur une petite rivière. Une petite rivière artificielle d'irrigation. Puis de l'autre côté, vous allez voir, c'est le village qui est là. Donc, là, je vais vous placer et vous allez vous mettre où vous voulez, en fait. Ok. Vous allez être présentement en haut à droite. Vous pouvez vous douter que le gros pont va être facile à traverser, mais vous allez être à vue. Et vous pouvez vous installer à peu près où ce que vous voulez aller. Vous pouvez faire en fond un jet chacun de investigation plus astuce. Un succès. Un succès, parfait. Un succès. Un succès aussi, parfait. Donc, je vais vous donner un peu plus de vision. Mais avec un succès, ça sera pas. Donc, ça sera pas un affaire de malade, là. Oui, vous voyez. Les gants noirs, c'est les SS, effectivement. Je pensais que vous les aviez vus. J'ai fait afficher le nom, mais pas pour les joueurs. Donc, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous placez? Le pont, c'est pas la meilleure des idées du siècle, je dirais.
Est-ce que j'ai encore mon fusil avec mon silencieux? Toi, tu t'es jamais rien fait enlever, fait que t'as probablement encore ton fusil avec ton silencieux. Yeah, ok. Franck se placerait sûrement ici. J'ai pas à contrôler, je peux pas le contrôler. On fait capture d'écran. Donc, en fait, je suis sur le toit, mais bon. Toi, tu vas aller sur le toit? Ouais. Ouais, c'est pas fou. Parfait. Un bon sniper est un sniper en hauteur. Parfait. Donc, sniper va avec toi. Gérard, il vient avec toi aussi. Il dit que si jamais. C'est si y a des problèmes que vous faites prendre en haut sur le toit avec son HMG, il va pouvoir te couvrir ou il peut couvrir d'autres mondes. Ça, on devrait faire un one shot pour les avoir les deux en même temps. Ça, on serait redevenu à force. On serait redevenu à force égale. En fait, Pierso. Elle est pas très épique. On tire dans le tas, s'il y a des pertes civiles, ben on les aura libérés, oui, de leur triste vie. Toi, tu t'es engagé dans l'armée juste pour tuer du monde. Toi, tu t'en fous du camp. C'est ça? Ben, tu m'excuseras, mais mon vif, c'est la luxure. C'est ça que je me disais. Donc, Urso, viens avec toi. T'as le contrôle d'Urso en passant. Vous avez le contrôle tous les deux de Urso puis de Frank. Non, j'ai pas. De Urso, excuse-moi, et de Gérard. T'as pas le contrôle de Frank, toi, hein? Non, j'ai pas. J'ai le contrôle de Frank. Ah, j'ai Gérard. J'ai pas Frank, j'ai le mien. Puis j'ai pas Urso. Ah, Urso, c'est pas normal. J'ai peut-être mal cliqué sur le piton. Ah, j'ai mal cliqué sur le piton pour Urso. Là, tu dois avoir le contrôle d'Urso. Et t'as le contrôle de Frank aussi. Oui, Frank dans les rivières. Là, d'où ce que vous êtes, je vais vous donner un peu plus de vue. Donc, vous voyez la personne qui est la plus à gauche, c'est quelqu'un qui est en train de s'enfuir en courant. Ok. C'est rassurant. Personne la plus à gauche, je veux dire celle-là. Non, encore plus à gauche. Excuse. À gauche, ouais. Gauche, droite. Ici. Ok, ça veut dire qu'elle s'en va. Ouais, par là ou tu es peut-être éventuellement à gauche ou à droite là, mais pour l'instant elle est dans cette direction là. Dans le fond, il y a sûrement qu'il y a du monde à peu près ici, j'imagine. Ouais. Je vais checker. Il y en a un troisième ici. Je viens de le spotter. Regardez ce que je peux faire. Gérard voit un petit peu plus. Frank aussi, je dirais, là. Vous voyez qu'il y a quelqu'un, là, qui a un SS, là. Un
6, ça fait 4, ça. C'est ça, il en manque 2. Ok, c'est bon. C'est moi qui ai mal compté, excuse-moi. Lui qui est en bas à droite est en train de fouiller, de chercher, cogner aux maisons, pis tout. Les deux, à côté de deux autres personnes, sont en train d'interroger les personnes. Okay, c'était qu'on tire celui-là, puis celui-là. Lui. Celui-là va s'emmener directement après nous autres. Pour venir direct, faut que ce soit notre prochaine cible. Ben, ma prochaine cible, si je réussis à tirer. Comme du monde, pour une fois. Puis toi, Franck, ça serait le gars qui est dans la rue. Bien sûr, toi t'as pas le screen. Mais il y a un gars dans une rue pas loin d'où est-ce que t'es, là, tu pourrais l'avoir. On va te dire quand il va être proche de toi. Bah, envoie-moi le screen et je te dirai mon point de vue de la stratégie. Ok, bon. On est 4, ils sont 4. Alors je propose limite un tir synchronisé pour éliminer les 4. Hein. Tout le monde en a bas, hein, et on n'en parle plus. Ouais, c'est vrai, on est 4. Ouais, fait que Urso pourrait essayer de se faire celui qui est dans la ruelle. C'est ça. Toi, tu fais celui qui est en face du paysan. Urso fait celui qui est dans la ruelle en face de lui. Je m'occupe de celui qui poursuit... le pauvre bougre, et Gérard s'occupe de celui qui est à côté de la femme. Avec la sulfateuse, ok. Voilà. Beaucoup de balles proches d'un civil, c'est sécurité. Tout le monde sait ça. Ben, okay. Gérard, la personne qui a le plus de chances de pas tuer en tirant, c'est... Moi. Non, mais je veux dire... tu sais, si tu sais sur n'importe qui, il y a quelqu'un en chemin, à part t'sais, la personne qui va tirer, fait. Toi, Franck, si tu tires, tu fais un échec, tu fais une mort collatérale, tu fais un échec, un tir, puis tu réussis, tu tues un SS. C'est moitié-moitié. C'est qui mange des croustilles? C'est pas quelqu'un qui mange des croustilles, c'est des dés que je lance. Hein. Ah, pour vrai? Ouais. Ça ressemble à des croustilles. Ok, fine. Tes dés ont un goût bon à l'air. Je sais pas, ça goûte bon. Parfait. Donc, Gérard tire sur le nazi que vous avez dit qu'il allait tirer dessus et le tue et réussit à l'abattre. Parfait. Dex. Alors, mon jet de dé pour mon tir? Oui, vous pouvez tout faire vos jets de dé pour vos tirs. Parfait. Trop sûr. Un succès critique. Ouais, moi j'ai fait un seul succès. Qu'un succès? Un seul succès. Trois succès. Un seul succès sur 13 dés. Voilà. Parfait, donc vous tirez sur les personnes que vous avez dit. Et maintenant, Urso, lui. Urso tire sur la personne dans l'allée et il survit aussi. Mais. Et ça, il est blessé, mais puis il se retourne instantanément. Il va pas agir. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, maintenant pour les SS, la personne qui court continue à courir et se fait tirer dessus par la SS. Tu vois, il y a deux personnes qui tirent dessus.
Et ouais. Il doit y avoir deux. Ah non, peut-être. Attends. Ça c'est Junior. Non, les deux viennent de la ligne. Les deux savent de tir. C'est sur ouais. C'est Frank qui remarque ça. Parce que lui est en train de tirer. Donc faites tous les. Dans le fond, Archibald fait un jet de discrétion plus dextérité. Discrétion plus dextérité. Dex plus discrétion. Discrétion. C'est que je sais que ça. Ok, c'est quoi discrétion en anglais? C'est lui qui avait un survival. Discrétion. Stealth. Ah, stealth. Stealth. Ça veut dire... 6... 2. 2, parfait. Donc, OK, dans ce cas-là, les nazis... Lui, que j'ai une bougie, puis l'autre, qui sont les deux qui sont encore en vie, se mettent à couvert. Okay. Ils vous ont pas remarqué. Ils savent pas où ce que vous êtes. Ok, on a droit à un autre tir, ça veut dire. Vous allez avoir un malus parce qu'ils sont à couvert, mais vous avez droit à un autre tir. Okay. Frank, en fait, a aucun malus. Parce qu'ils sont pas à couvert pour lui, vu qu'il est plus haut. On va tout de suite faire ça. Donc. Quatre succès. Ok, sur lequel que tu tirais? Sur lui ici? Dans... Bah, sur un des types à couvert qui est encore en vie, quoi. Ok, parfait. Donc, sur lui, et tu l'achèves. Ouais. Moi, je vais... sacrifier pour ma... Est-ce que j'ai une place pas loin pour me mettre à couvert? De ce côté-ci du pont, non. Où est-ce que... Ben, tu sais, où est-ce que t'es, tu pourrais, mais si tu t'en vas ailleurs, non. Mais non, de l'autre. Proche de ma position actuelle, il n'y a pas une place pour me. Oui, oui, tu as une grosse roche que tu peux te. Ok, je me mets en arrière de cette grosse roche-là. Parfait. Ça peut être pratique. Puis je vais tirer sur le Gugus qui est ici. Ça veut dire. T'as moins 2. Moins 2 dés. Ouais. Mon compagnon. Moins un. Ça, je tire Urso. Ouais, donc, tu... Non, tu te lèves pour tirer, puis il voit que t'es là. Donc, il tire dessus. Te fait 3 létales. 3 létales? Oui. Et voilà. Donc, Gérard tire sur sur un DSS qui est à gauche. Et Urso tire et achève le SS qui t'a tiré dessus. Donc, Frank, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu supportes Gérard pour tuer le SS qui est en train de tirer dessus ou tu tires sur l'autre?
Franck est demandé d'aller les 4. Je répète, Franck est demandé d'aller les 4, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, j'ai pas bien compris ce qui a été dit. Donc, t'as deux SS qui restent. T'as soit lui qui est, que Gérard a tiré dessus, ou t'as un autre. Celui sur lequel Gérard a tiré. Parfait. Je vais pas faire mon compliqué. Cinq succès. Parfait. 5 succès. Donc, tu l'achèves. La sainte balle aura raison de cette guerre. Parfait. Donc, les deux nazis qui est là, qui se mettent à couvert. Et... Donc, il y en a un qui tire sur Gérard avec sa MP40. Lui qui est le plus à gauche, le plus haut. Et l'autre en bas. L'autre aussi tire sur Gérard, mais tu vois que l'autre a eu vraiment une meilleure shot, puis il tire dans l'épaule proche du cou, puis considère qu'il est en position couchée, fait que ça l'a pas bien pogné, mettons. Là. C'est dans l'épaule proche du cou, mais en haut de l'épaule, là, du haut vers le bas. Fait que, puis Gérard est tombé inconscient. Une seule blessure. Excuse-moi, effectivement, ouais. Donc, c'est à vous deux. Ici, il y a un mur dans le fond. C'est une maison. Fait que oui, il y a un mur. Ok, je me déplace là. Puis Urso, il va faire ce qu'il va vouloir. Je vais ouvrir le feu sur le. Des deux. Ok. Il reste deux nazis là, c'est ça? Oui, il en reste deux. Ok. Un succès. Succès. Donc, tu tirais lui d'en haut ou lui d'en bas? Lui. Ok. Donc, faites tous un jet d'investigation plus astuce. Deux succès, dont un critique. Parfait, il va falloir que tu rebrasses ton critique, voir si tu réussis. Et Archibald, t'as manqué. Et juste deux succès. Ah, deux succès. Donc, il y a un DSS qui est disparu. Ok.
est tentée, question? C'est pas moi. Franck, ta maison est tentée pour que les portes grincent comme ça. Franck? Okay. T'en fais pas, je suis là. J'essaie juste de me remettre l'épaule en place. Ok. Bah, je pense que je vais prendre la HMG, puis je vais tirer. Hein. Je vais sulfater. Oh non, okay. Gérard est mort. Non. Donc, Urson. Oui, Gérard est mort. Oh non. Le héros de la série. C'est Urso. Je vais pas mourir. Urso est rendu où? Il est complètement à gauche. Oh shit. Bon, bah vu que je supporte pas que mon camarade soit mort, bah je vais me lever avec la HMG. Tant pis pour le recul et pour les dommages, mais je vais me la jouer à la Rambo. Hein. Parfait, donc la HMG, elle fait 5L de dégâts. Et si tu tires à la Rambo, comme tu as dit, ça te donne un bonus de 3. Bon, bah en gros, je fais mon jet classique, quoi. Ouais. J'ai le bonus de calibre à cause du bandeau rouge. Trop succès. Trois succès. Non, trop succès. Ah, mais... Il me semblait que je faisais pas beaucoup de dés par rapport à l'habitude quand je tirais. J'ai pas mis les L de dommages. Ah! C'est pas être moron des fois. En fait, tu tirais avec des cailloux. Ouais, j'en sais de la garnotte. Tu lançais tes balles. Ouais, oh, c'est ça. Non, je prenais un marteau, un clou, je mettais la balle dans mes mains, puis en même temps, PAU! Frank, tu te manges 6 de dégâts. Ouh là là. Mais t'as fait de la Rambo. Mais t'as fait de la Rambo. Chaque chose a son prix. Et c'est pas le gars sur qui t'as tiré que t'as tiré dessus. Ça vient. Tu sais pas d'où ce que la balle vient. Bon, là je suis dans la merde, je suis en full létal plus 2 aggravés. Est-ce que je peux tenter de voir d'où le tir vient ou pas? Oui. Investigation plus astuce. Hey, il y en manque un, c'est vrai. 3 succès, dont un critique. Oui. Parfait. Ici, dans la maison. Est-ce que je pourrais avoir un petit script archi? Ah, ok, allez. Bon, je suis à plus la situation. Ouais, vu que là, elle a un peu update la situation. Puis, donc. Regarde, CTRL-V. CTRL-V, j'ai dit. Paye-moi, ordinateur. Je suis ton maître. Tu vois le petit spot qui était débloqué dans la maison? Ouais. C'est direct là. Ok, pas de soucis. Urso achève le SS qui est à vue de tous. Ok, je vois. Donc, Gérard, en passant, vous voyez qu'il reprend conscience. Et c'est à vous, les gars. Gérard est en vie. Cette fois-ci, avec toutes mes jets de dés, je vais tirer sur le... Non, ce serait moi, je l'ai pas spoté. Fait que... J'essaie de chercher si je vois pas le prochain nazi. Ben, le nazi qui est en fenêtre, est-ce que je le vois ou pas? Non, tu le vois pas. Ok, je fais un jet pour savoir si je le vois. Un succès. Non, tu le vois pas.
Bah, Bon, ben, je bah, peux rien faire d'autre. je vais tirer sur les murs de la baraque jusqu'à ce que ça me touche, hein. Avec la HMG encore, jusqu'à ce que Gérard finisse de reprendre totalement conscience. Parfait, donc vas-y. J'ai toujours le bonus de 3 ou pas? Oui, mais le bonus de 3, c'est parce que tu tires en full auto. Ok. Allez. Allez. Un succès. Non, ça c'était... Ouais, un seul succès. Ouais, un succès. Parfait, donc... Tu tires un petit peu partout, il réussit à esquiver les balles. Et tu vois qu'il se cache en arrière d'un mur de la maison. Et tu le vois plus, mais tu sais qu'il est là. Et tu suivais des balles, puis tu as tiré des balles dans le mur. Tu sais pas si tu l'as blessé ou pas. Tu as fait un dégât, mais c'est t'as pas vu que tu l'as blessé. Ok, bah je vais rendre la HMG à Gérard et moi je vais me foutre un peu à couvert parce que je suis un peu et laisse là. Okay. Moi de mon côté, ben je. Non, je laisse les autres jouer. Et je précise bien, je leur dis bien, il y en a un dans la baraque. Parfait. Donc Gérard se met à tirer vers la baraque. Pour essayer de le faire sortir de là. Et Urso se fait tirer dessus. Encore. Urso. Pas Gérard. Non, c'était Gérard qui s'est fait tirer dessus. Encore pour Gérard. Mais bon. Non, Gérard s'est pas fait tirer dessus là. Oui, je sais, mais tantôt c'était Gérard, mais là c'est Urso. Fait que c'est pas. C'est ça. Parfait, donc. Faites tous un jet d'investigation plus astuce. Deux succès. Deux succès. Donc, si vous voyez quoi, ça va être vous, mais pas les deux autres gars. Et. Donc, seulement toi, Archibald et Frank, vous deux, Archibald et Frank, donc pas les NPC, vous voyez le gars, le SS, qui est en train de s'enfuir dans la maison. Vous avez une dernière fois que vous pouvez tirer dessus, puis après ça, il sera plus à portée de vue. On va lui tirer dessus. Même avec la lunette, il sera hors de portée? Il va être hors de portée parce qu'il va être dans une autre pièce. Ah ok, bon allez, on tire. On tire au fusil de sniper. 3 réussites dont un critique. Parfait, la brasse en critique. Voilà. De nouveau un critique, je relance. Parfait. Et c'est tout. Parfait, donc... Tu le tires une balle dans le dos, que quand tu y tires dessus, tu vois que il marche de travers, puis il plaque le cadre de porte. Puis, mais il est encore debout. C'est juste que ça l'a fait vraiment mal, ce coup-là. Okay. Et Archibald, toi aussi, t'as ton coup, tu peux faire. Oui, j'aime de le faire, j'ai tiré. Et, t'as eu quoi, 0? J'ai eu 3, 1, j'ai 4 succès. Ok.
Quel succès. Donc, toi aussi, t'as. Tous les deux, on a fait 4 succès. Il devrait pas s'en remettre. Donc, tu lui tires dessus, toi aussi. Puis, il tombe. Et, en tombant, tu vois qu'il y a de la misère à bouger. Puis, il se pousse, puis il roule comme en dehors de, hors de portée. Ok. J'ai tout ça, moi, sur moi. Équipement. Oh! Oui, c'est triste. J'ai une grenade. Est-ce que je peux me rendre... j'ai jusqu'à où que je peux me rendre à partir d'où est-ce que je suis? Une case par vitesse. Une case par vitesse. Ouais, je sais pas combien t'as de vitesse. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La fenêtre était ici, hein? Ouais. Est-ce que je peux lancer une grenade dans la fenêtre? Tu peux essayer, mais faut que tu vises. Quoi dans le fond, c'est... C'est sport plus dex. Sport plus dex. Sport plus dex. Bah, un succès. Ok, un succès. Donc, tu lances la grenade. Et je vais l'enlever de la vue. Et fais tes dégâts. C'est... 4D qu'il faut que tu passes. Trois succès, dont deux critiques, ça fait... 29, tac. 4 succès pour les dégâts. Parfait, donc la grenade explose dans la maison. Donc, écoute, la grenade a explosé, c'est, qu'est-ce que tu fais maintenant? De mon inventaire pour commencer. Je vais demander à Franck, est-ce que tu vois quelque chose? Franck ne voit rien. Franck ne voit rien. De toute façon, j'allais rentrer dans la baraque avec la baïonnette à la main. J'allais me le faire au corps à corps. M'a plugué ma baïonnette après ma stienne. Quoique ce serait con vu que je suis silencieux après, je vais la tenir dans mes mains. Ouais. Je vais tenir ma baïonnette dans mes mains comme un couteau de chasse dans le fond. Puis ma stand à côté, en dessous de mon épaule, pour qu'elle reste stable. Puis j'ai avancé. Parfait. Donc, vous rentrez dans la maison. Donc, faites tous les deux un jet d'investigation plus astuce. Zéro succès. Deux succès. Deux succès. Deux succès? Oui, deux succès. J'ai eu un critique, puis je l'ai refait, ça m'a fait un succès. Parfait. Donc, tu vois que il est... Je vais te donner un peu plus de vision. Yeah. Tu vois que... Tu le vois bouger à gauche. Là, tu le verras pas où est-ce que je te montre ça, là. Mais dans la maison, plus à gauche. Non, plus genre là. Genre là, ok. Faut commencer de le ramener en vie. De le ramener en vie. Je suis fan des captures, ça rapporte plus. Ça rapporte plus. Ce côté garde dans ta tente, puis tu joues avec. Pas vraiment, non. Avec une aiguille, on peut faire mal avec du monde. Avec du monde avec une aiguille. Mais pourquoi avoir une aiguille? Un épluche patate est tellement plus efficace. J'aime ton ingéniosité. Ok, ben je vais m'avancer un peu. Pas minutieusement, mais de façon sécuritaire. C'est ça.
Je vais m'avancer de façon sécuritaire, l'arme pointée devant la personne. Fait que si je vois que son fusil est pointé vers moi, mon doigt appuie sa gâchette, puis c'est fini. Parfait. Donc, t'entends, genre le... Dans le fait, quand... C'est comme un meuble qui se fait bouger. Okay. Et tu regardes et il est plus là. Il est plus là, ok. Ça a l'air de venir de l'extérieur, le meuble qui se fait bouger. Bon bah moi je vais hurler en allemand, rends-toi et tu seras soigné, sinon tu rejoindras tes potes. T'entends rire. Franck, t'as-tu une grenade sur toi? Par hasard? J'avais une seule grenade, je m'en suis servi pour faire sauter un tank. Imbécile, on en avait besoin là. demande à Gérard si t'en as pas une. Gérard n'a pas de grenade. Grenade. Merci non plus. Maudite armée de pauvres. Vous avez pas eu le temps de vous équiper. On a pas une armée française. Le monde, hein. On va pourchasser une armée française. Puis... je vais pourchasser le mec avec mon MP40 et puis voilà. Ouais. Oui. Bon, je me mets au coin du mur puis j'aimerais jeter un petit coup d'œil avec mon miroir. Si, ou quelque chose de réfléchissant s'il n'y a pas ça dans la pièce. Donc, de baïonnette. Ok, tu réussis, tu vois que mais tu vois qu'il est pas là, il y a personne. Personne? Non. Est-ce que je vois l'escalier? C'est un étage. Ok, c'est c'est un étage. Ok. Il est pas tu vois qu'il est... tu vois j'ai de pignée là ici. Il y a la porte le cadre de porte qui est la porte, il y a une vide dans la porte, puis tu vois qu'il y a un meuble qui a été placé là. À l'extérieur, une caisse de bois ou quelque chose. Ok, ouais. Le gars, il veut vraiment pas. Ok. Dis aux autres de se ramener. La sulfateuse à Gérard, est-ce qu'il reste beaucoup de balles? La HMG, tu veux dire? Ouais. Attends, c'est une SMG ou... C'est un Bren qu'il y a. Un Bren? Ouais. Ouais. C'est pas si une meilleure, mais bon. On pourrait pulvériser la porte avec la Bren. Je sais pas, je donne une idée comme ça. S'il reste pas beaucoup de munitions, on le fera pas, là, mais s'il en reste quand même pas mal, combien de chargeurs qu'il reste? Il dit que... il reste. Il lui reste deux chargeurs. Ok, non, c'est une mauvaise idée. Les SS. Franck, regarde si les SS ont pas des grenades dehors. Les deux premiers. Bien, mon mort. Tu sens tout le dédain du monde quand je dis ça. Je vais regarder s'ils ont des grenades. Je vais les fouiller. Mais sinon, tant pis, je ferai une grenade artisanale. Donc, tu vas checker un premier SS, tu vois qu'il n'y a pas de grenade. Et tu regardes un deuxième SS, tu vois qu'il n'y a pas de grenade non plus, puis c'est ça qui va finir ton tour pour maintenant. Bon, bah, je sais déjà comment je vais faire, hein. Je vais ramasser leurs balles, je vais les vider dans une chaussette, et puis je vais y mettre un détonateur de balles, tu sais, les trucs de choc, et puis je vais lancer. Une grenade artificielle, comme ils faisaient si bien dans le film Le Soldat Ryan. Ouais. C'est meilleur contre du monde que contre des patentes, ça, par contre. Ouais, mais le but, c'est genre de faire des trous pour vous faire en sorte qu'on puisse passer plus facilement. Non, c'est une caisse. Tu sais, tu pourrais te forcer puis pousser à la caisse, là. Okay, pousser à la porte, là. Les gros meubles massifs en bas, je pensais que c'était ça. Non, c'est la porte de l'extérieur qui est bloquée. Wait a minute, une porte se sauve de l'intérieur? C'est vrai. Mais elle a quand même une caisse qui est là. Oui, mais on peut se placer en arrière pour se planquer quasiment. C'est comme s'ils nous avaient donné un... Je crois qu'on dit ça.
pas un camouflage, mais un... Ouais, un genre de... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Planque naturelle. Ok, c'est-tu qu'on est cave? Aïe aïe. Bon, on a perdu un tour à chercher une grenade qu'on aurait même pas eu besoin parce qu'une porte, ça s'ouvre de l'intérieur. Sinon, t'as encore plus simple. La caisse, elle est en bois, je présume? Ouais. Oui. Bon, j'ai encore exactement 8 chargeurs de MP40. Je pense que ça ferait assez de balles pour réussir à détruire cette caisse. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, on va ouvrir la porte de l'intérieur en faisant en sorte d'être à couvert, c'est ça, je cherchais le mot tantôt, d'être à couvert pour que s'ils tirent de peine de misère, ben, on va être caché. En fait, mon capitaine, est-ce que je peux avoir un visuel de la situation? Je vais y penser. T'as-tu un 5$ sur toi? Il y a du majeur en passant. Ouais. Contre une cigarette, ça te va? Ah ouais, easy, easy. Ok, bah je lui file une cigarette. Let's go. Tac, tac, tac. Une bonne vieille Lucky Strike. Donc. Tic, 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 tic. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va ouvrir la porte, mais de l'intérieur. Parfait, donc vous ouvrez la porte est ouverte. Ok, est-ce qu'on voit de l'autre côté? J'envoie le lieutenant Urso voir c'est quoi qu'on voit. En premier. Ok, le lieutenant Urso. Donc, il arrive, le lieutenant Urso vient, il regarde, pis tout, pis, tu sais, il se lève, il dit, il est pas là. Il regarde bien ses côtés, je sais pas. Il voit pas de sang par terre. Parce que, ben, il s'est fait tirer dessus, le sang s'en allait. T'en avais bien quelque part. Donc, quand il se retourne, te dire non, il y a personne, il se fait tirer une balle dans le dos. J'aurais dû checker comme du bon. Ok, ben, on va le tirer hors de vue. Parfait. Et moi, je me servir du MP40 pour couvrir la retraite. Hein. Ouais, je vais vider le chargeur complet, t'en as 8 dans le fond. C'est ça, c'est littéralement, je vais vider tout le chargeur en tirant sans réellement viser. Si ça touche, tant mieux. Si ça touche pas, bah tant pis. Hein. Donc, tu tires dans le tas, genre. N'importe où, là. Vers là d'où ça a tiré, à peu environ. Okay. Tu sais, je me dis, là, le tir est à peu près de par là, bah, je vais ratisser tout le chargeur. Si ça touche, tant mieux, si ça touche pas, tant pis. Ça aura quand même servi à courir. Parfait. Donc. Je fais un G pour savoir si ça touche, on sait jamais. Ouais. Ok, je te lance combien de dés du coup? Vu que là, c'est du pif total. Juste un des chances? Juste un des chances. Ça marche. T'envoies ça. Zéro succès. Non, parfait. Donc, t'as tiré. Tu peux assumer, tu sais, que tu l'as touché ou que, tu sais, il est plus où ce qu'il était, là. Au moins. Aucune idée, mais au moins, ça a permis de couvrir la retraite du capitaine. Major. Du capitaine Urso? Ouais, c'est pas lui qui s'est fait tirer dessus? Ok, le lieutenant est devenu capitaine. Ouais. Ok, le genre tout upgrade, ok. Ouais, je suis seul à me retenir un peu de choses près des grades. Donc, les gars, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi j'ai déjà agi, là, j'ai couvert la retraite. Ok. Euh.
Il a reçu une balle dans le... Ouais. Ça, c'est les lieutenants. Ok. Je veux que G.A. se mette en position ici. Pour être sûr qu'il fasse pas le tour pour s'en aller. Parfait. Il a beau ramper, il y a un fusil pareil. Ouais, on va pouvoir l'encercler peut-être. Si ouais. Ouais. Comme ça. De même. Ça a l'air. Puis. Il y a toujours une caisse devant la porte. Oui. Ok. Je vais m'accrouper devant la caisse. Parfait. Est-ce qu'il y a un miroir dans la pièce? Où est-ce qu'on est? C'est très pratique les miroirs. J'aime pas me faire tirer dessus. Donc, ouais, fais un jeu d'investigation plus astuce. Investigation plus astuce, ça sera pas drôle. Un souci. Donc, oui, tu trouves un miroir. Tu sais, comme. Tu sais, qu'est-ce que les femmes prennent pour se regarder quand ils se maquillent. Pas, tu sais, quand ils. Quand ils sont pas en avant de leur affaire pour se maquiller, là. Oh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Fait que là, moi, je vais gosser pour essayer de voir si je vois pas quelque chose. Ok. Donc. Moi, j'ai fait une chose, mais avec le reflet de ma baïonnette. On sait jamais. Donc, Frank, qu'est-ce que tu dis? Je vais faire la même chose, mais avec le reflet de la baïonnette plutôt qu'avec un miroir, quoi, parce que j'ai pas de miroir. Donc, reflet de la baïonnette, on ça sait jamais. Ça fonctionne avec la baïonnette? Bah techniquement oui. Bah c'est sûr qu'un miroir ça fait une meilleure job là. Ouais, ça donne plus de surface à voir. Hein. Mais t'sais, officiellement, t'es capable de voir si c'est du mouvement avec une baïonnette pis tout là. Ouais, sauf si j'ai un miroir de poche pour me raser quoi, mais. C'est la décision du MJ. Écoute. Donc tous les deux vous voyez rien. Est un petit futé. Il est dans la baraque, c'est ça? Et dernière nouvelle, il était dans la cour là ou dans la baraque. Urso dit qu'il bon. Il l'a pas vu d'où ça vient là, mais il était dans ce coin là. Je regarde mes camarades et je fais ok, sortons. Il est peut-être rentré. Est-ce qu'il y a une fenêtre dans la cour? Oui. La maison de celle-là. Oui. Est-ce qu'il y a du sang pas loin? Il y a du sang. En fait, il y a une. Oui, il y a du sang. La fenêtre est ouverte? Oui. Ok, il est dans la maison. Archibald, attends. On va s'amuser un peu. Est-ce qu'il y a de l'alcool sur les étables qu'il y a devant ou pas? Ou tout liquide inflammable? Ok, mais entre temps, est-ce que je pourrais demander à Gérard de changer de position puis d'aller se mettre en avant? Ok. Donc. Est-ce que je le mets direct en avant? Ou... Oui. Ok, cool. On va le sacrer quelque part, c'est protégé un minimum. Bon paysan, sac le camp. C'est pas beau. On dirait un monstre, sincèrement. Donc voilà, est-ce qu'il y a du liquide inflammable dans les environs, du style de l'huile, de l'alcool? Ben là, oui. Un petit peu de tout, là. Bon, ok, j'ai tout compris. Bouteille d'huile, prends un morceau de ma manche, je fous dedans, briquet, j'allume, maison, on sort. On sort et on attend. On sort et on attend. Non, c'est pas en avant. Il sortira de lui-même. Oui, mais sors-le par en avant, c'est plus sûr. Ouais. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire, mon très cher maître du jeu? Ok, une seconde. Pas de souci. Étape numéro 1. Je crois qu'il n'aura jamais autant mis d'images de feu sur une map. Donc. Que le feu va se propager. Ou être désespéré de qu'est-ce qu'on fait. Ok. Les. Premièrement, les.
Les personnes, ils ont fini par s'enfuir. Quand tu sors à la course avec ton affaire et tu te manges 6 létales avec une grenade qui explose à la seconde que tu sors du bâtiment. Je me prends 6 létales? Tu te prends 6 létales. 3, 4... Oh purée, il me reste plus que 1 malheureux létal, tout le reste est en aggravé. Chance, c'est pas moi qui est sorti, je me serais fait mal. Moi ça va, j'ai l'habitude, mais là je commence à douiller. Bon bah... Donc, vous... là je t'ai demandé de faire un jet de dextérité pour pas échapper la patente que t'avais dans les mains qui est en feu. Quand que la grenade a explosé. Allez, on y croit tous. On y croit tous. C'est l'échappe ses pieds. Ah. Un succès! Parfait. Donc, tu réussis à pas avoir du feu partout sur toi. J'ai eu chaud au cul. Finalement, tu l'échappes sur Gérard. Non, je l'échappe sur toi. Non, je suis trop loin de la maison. Non, mais justement, ça roule, puis tu sais ni comment ni pourquoi, ça explose à tes pieds, tu fais pas encore. Ouais, ouais, ça l'a fait. Ça a fait 20 pieds. Elle a roulé 20 pieds, puis elle est arrivée sur. Oh, fuck. Bon, bah, dans un dernier geste de conscience, je vais tenter de la jeter sur la baraque. Hein. Parfait, donc vas-y. Alors, c'est quoi comme j'ai du coup? C'est sport plus dextérité. Donc, ok. Sachant que j'ai mal de 3 à cause de mes PV, ça me fait relancer que 3. Foire pas, 0 succès. Parfait, donc tu. T'es rendu au bout de tes HP, toi, dans le fond. Bah, en fait, là, je suis en full aggravé, sauf un qui est en létal. Je suis au bout de ma vie, là, littéralement. Ok, donc tu viens pour le lancer et le cocktail Molotov tombe en arrière de toi. Donc fais les dégâts. Ok. Pas trop fort. C'est deux dés, excuse-moi. Ah, c'est deux dés? Ouais. Ah, ok. On prend les deux derniers. Alors... Oh wow! Oh, c'est pire! Il a fait deux succès! Hey. GG! Ouais, je relance le critique. Avec un critique. Deux. Voilà, juste deux. Donc, tu lances en arrière. Il frappe le coin du mur ici. Le feu revole. Revole sur Gérard qui essaye de se déprendre du feu, mais qu'il est pas capable. Ça finit par l'achever. Enlève ta veste, Gérard, enlève ta veste, bordel! Il y a une rivière à côté. Lui aussi, il lui restait seulement un. Il y avait autant de points de vie. Toi, t'es correct par contre. Toi, en fait, non. Toi, c'est pas vrai, Frank. Toi aussi, tu pognes en feu. Mais t'as le temps de sauter dans la rivière pour t'éteindre du feu. Non. J'ai tué Gérard. Sale monstre. Moi, bon, bah, ça me fait deux alliés à mon actif. Je peux me rajouter une balle après ça. Moi, je vais sortir et je vais aller voir. C'est comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu me vois en train de flotter sur la rivière. Et tu vois Gérard qui est mort brûlé. Viande tout d'un coup. Vous devez tuer 6 personnes, revenez toutes vivantes. On a comme perdu quelqu'un. Dans quelles conditions brûlées? Qu'est-ce qui est arrivé? Un accident de travail, je dirais. Une mauvaise manipulation. Des
Disons qu'on n'était pas assez nombreux, la mission était relativement chaude à accomplir. Mais bon, au moins quand on agissait, c'était le feu. Ouais, si quelqu'un peut venir me sauver parce que là je vais être en train de me noyer dans la rivière. C'est ainsi que Franck Leroux mourra. Archibald, j'aurais pu te tuer, ne te plains pas, j'aurais pu te tuer, maintenant tu viens me sauver. Tu m'as déjà tué dans une autre vie. Non, tu étais déjà mort. Non, j'étais pas encore mort. Bon. Ah bah c'est pas comme ça que je l'avais compris en tout cas, moi dans ma tête je tirais sur un cadavre. Il était mort, il était inconscient là, ça c'est sûr là. T'es inconscient mais pas mort. Ah je croyais que t'étais mort, là, je pas. Quand même. En pur méta, je croyais que t'étais mort, hein. Pas que RP, je croyais réellement que tu étais mort. Non, j'étais pas mort. Et là, j'aurais pu t'envoyer au front, là, avec Archibald, ça aurait fait que j'aurais tué deux de tes personnages. Donc là, tu te plains pas, tu viens me sauver. Ok, je vais essayer de te... On va essayer de te sauver, là. Je vais essayer. Ouais. Avec l'aide d'Urso, s'il le faut, mais tu viens me sauver les miches. Je te sauve sans grande conviction en me disant, espèce d'imbécile, t'as encore tué quelqu'un. En fait, ouais, non, Archibald, t'étais pas là quand c'est arrivé. Ouais, mais je suis sorti de la maison, non? Puis je vois le... Non. Encore tué quelqu'un, mais là, Friedrich, ouais, t'étais pas là. Okay, ouais, c'est vrai. Oh, oui, c'est vrai. Donc, Frank sort de l'eau. Mais non, je peux dire, j'en aurais entendu parler dans les dans la chaîne de commandement que il y avait dû tirer sur un de ses coéquipiers pour sauver la mission et tout. C'est un résistant. Personne n'est au courant de ça. Ah, c'est vrai, je suis un résistant. Bon, c'est pas une grande perte. Voilà. C'est un dommage collatéral, on va dire. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant, les gars? Bon, l'ayant essayé de sauver lui-même pour qu'il se déplace. Non, on m'a aidé, je vais essayer de le prendre. On m'a demandé à Urso puis moi de qu'on essaie de le transporter à deux. Transporter qui, Frank? Ouais, vu qu'il était quasiment en train de soigner, de se noyer, okay. Puis ben... il reste presque pas de PV. Frank, quand t'es arrivé au bout de tes létales, t'as-tu brassé un dé de vigueur? Non. Okay. Tu m'avais pas demandé. Ok, vas-y. Allez, ne foire pas. C'est un jet de vigueur. Allez, 2 dés. Reste en vie, reste en vie, reste en vie. Je veux te voir au bout du monde. 0 succès. Et le pire, c'est que c'est moche parce qu'il y a un dé qui est cassé, il est entre le 2 et le 10. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est moche. Donc, Frank, tu tombes inconscient. T'es encore en vie en passant, mais tu tombes inconscient. Donc, Urso et Archibald doivent vraiment le transporter. Tu vois là, où est-ce que je viens de pigner? Oui. C'est une espèce de bâche avec, on dirait, 2 morceaux de bois de chaque côté. Ouais. On va le sacrer dessus puis on va le tirer. Quand ça, on dit ça en plein les bas. Ah ouais, moi je dirais rien que ça. Porté sous son dos. Son abdos. Vous étiez sur un console de micro. Une charrette. Ok. Magiquement, il y a une charrette qui pop quelque part. Oui, il y a une charrette juste là. Non. La charrette, ça a été popée. On aurait pu le traîner. Donc, fais un jet de force. Un jet de force, j'ai de la force, moi. Force. Strange. Parfait, donc vous êtes capable de le traîner. Et vous vous rendez, dans le fond, jusqu'au camion, où ce que vous avez été un peu plus tôt. Okay.
Et vous embarquez Frank dans le camion. Donc, le gars qui vous a accueilli un peu plus tôt vous voit rentrer avec Frank inconscient et dit qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on a eu un petit accident avec le feu. Avec le feu? De qu'est-ce que tu veux dire avec le feu? Puis où la quatrième personne qui était avec vous? Hein? Justement, c'est ça l'accident. Notre ami ici présent, qui était conscient, perd son âme, a voulu lancer un cocktail Molotov, mais s'est fait tirer en même temps de le lancer. Le Molotov est tombé par en arrière, puis est tombé directement sur notre compagnon. Mais est-ce que vous avez été capable de tuer tous les six oui. SS? Parfait. Donc, fais un jet de... quoi déjà? De subterfuge! Subterfuge! Ouais, subterfuge plus manipulation. C'est pas persuasion? Ça peut être... Non, subterfuge, c'est quand tu mens. Ok. Subterfuge puis manipulation, c'est ça. Manipulation, c'est... Ouais. Allez, fois. Trois succès. Ah, yes. Parfait. Donc, il dit parfait. Bon, écoute, au moins, c'est ça. Votre camarade sera pas mort en vain. Ouais. Donc, il se lève et il donne quelques petits coups sur le blindage où est-ce qu'il y a le camion. Puis le camion, vous voyez qu'il s'en va. Il commence à partir. Donc il dit parfait, mais écoutez, moi je vous suggérerais de prendre soin de Frank qui est à terre. Question qu'il meurt pas au bout de son sang. Ouais. Donc Archibald fait un jet de. Médecine plus intelligence. Médecine et intelligence. Ouais. Intelligence, j'ai 2. Puis médecine, j'ai 2. Ok. Tac, tac. Trois succès. Parfait. Donc, Frank, t'es encore blessé, mais tu redeviens conscient. Oh, bordel de merde, c'est pire qu'un trip sous acide. J'ai vu une lumière flamboyante, c'était le bout du tunnel. Urso dit non, c'était plus le bout de la bouteille. Ouais. Et il est où, Gérard? De l'autre bout de la bouteille. Ouais. Ah, il a bu la tasse. Ouais. Ouais. Il n'a pas survécu à ton cocktail Molotov. Quand ils auront le dos tourné, je vais prendre ma baïonnette et je vais me faire une deuxième griffe sur le bras. J'ai pas hâte qu'elle ait la quatrième, puis qu'elle ait la barre au milieu pour la cinquième, c'est comme... comme ça, quand j'en aurai 6 sur mon bras, ça fera une croix gammée. Finalement, t'es nazi, mais on le sait pas, c'est ça. Non, je dis, je ne suis pas un nazi. Je dis juste que leur solution, après réflexion, comment dire, en restant politiquement correct pour les viewers. Ouais, ça passe sur YouTube. Ça. Alors, leur solution était certes extrême, mais au moins ça permettait de réguler la population mondiale. C'était un geste écologique. Écologique. Voilà, comme ça, j'espère qu'il n'y aura pas trop de strikes. L'écologie mondiale, elle
J'avais jamais entendu celle-là. Donc, messieurs, le gars qui vous a offert le poste dit que vous avez été capable de bien démontrer votre valeur puis votre capacité à vous défendre. Malgré que ça s'est mal tourné. Pas mal tourné. Mais pas tant que ça. Vous avez quand même été capable de venir à bout des SS. Ouais. Donc vous êtes accepté dans les services secrets canadiens. Et il dit que votre prochaine mission, ça va être d'achever le Hauptmann Klaus Stein. Et bien entendu, après que Frank ait eu le temps de récupérer un petit peu de ses blessures. Je demande à changer d'arme principale plutôt que la Lienfield, si ça dérange pas. Oui, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Puis il vous dit justement que vous allez pouvoir avoir des nouvelles armes si vous avez des requêtes puis tout ça, quelque chose d'un petit peu mieux. Il va vous donner aussi un arme un petit peu plus appropriée à qu'est-ce que vous faites. Il faut que je regarde un petit peu sur internet c'est quoi les armes qu'il y a. Ouais, j'ai déjà trouvé mon sniper. J'ai envie de le faire justement. J'ai en visuel là mon arme moi. J'ai depuis déjà un épisode. C'est quoi dans la tête. C'est le Springfield M1903 A4. Version 1942. Springfield 1904. Non, 1903 A4. Ah, 1903. Ah, ok, celle-là, oui, bien sûr. C'est du... Voilà, je veux passer au calibre dessus. Je demande pas encore le calibre 50, mais pas loin. C'est du 30-03, ça va, ça se fait bien. Le A4, tu dis? Ouais. Ouais, le A4 avec sa lunette x 2,75. Ça te fait quoi comme balle, ça? Du 30-03. Ou du 30-06. C'est des balles de haute précision. À la fois, le 30-03 c'est pour les munitions anglaises, puis le 30-06 c'est pour les munitions américaines. Avec la portée maximale de 3200 mètres, ça devrait aller. C'est des 30-03 que vous avez. C'est 1200 mètres. Mais c'est une portée pratique de 600 mètres. Portée pratique de 600 mètres, portée utile de 1000 mètres, portée maximale, donc avec peu de chances de toucher, 3200 mètres. Mais sachant que j'ai une spécialité qui est le tir à haute portée. 3200 mètres! Bah dis-toi un truc, c'est que les archers en antiquité pouvaient atteindre une cible à 800 mètres. Oh, donc si avec un fusil, on n'avait pas atteint une cible. Moi ça me marquait 1200, mais c'est correct, ok. Moi je suis sur le site de l'US Army là en fait. Ah ok. Ah eux sont ok, ouais. Avec les vitesses de balle à 900 mètres secondes en vitesse initiale. Ouais. Ouh, avec une cadence de tir de 15 coups minutes. Chargeur, 5 balles, fonctionnement manuel. Faut charger les balles l'une après l'autre en tirant sur la culasse. C'est plus sexuel comme ça. Donc, vu que là, on peut pas mettre les clips directement. Faut les mettre une par une à cause de lunettes. En gros, il faut mettre tout le clip des 5 balles. Et en fait, entre chaque tir, il faut tirer la culasse vers l'arrière puis la lâcher. Ben, comme Springfield. C'est ça. Springfield, comme le K98 et... Again. C'est ça, c'est pas un semi-auto, c'est un manuel. Ouais. Ce fusil est donc espagnol ou plutôt portugais. Ouais. Cette blague est profondément raciste et je m'en excuse. J'avais pas allumé au départ, mais là, maintenant que tu le dis. Faut m'excuser, je suis pas en état, je suis crevé de ma journée de sport et de boulot. Wow. Triste ton histoire, tu le sais. Je sais. Je suis un vrai coup de balle. Oh my god. Oh bon. Parfait. Donc, tu te fais accorder cette arme-là. Et vous allez aussi vous faire donner un pistolet chacun. Avec un silencieux.
Il faut juste que j'aille. Tu sais, c'est quoi qu'on va avoir? Je pense c'est le. Donne-moi 2 secondes, je vais aller te chercher. J'ai plus le nom par cœur, ça me fait chier, je l'ai. Et Ah, les armes, ça, c'est c'est combien? le Wellrod, excuse. C'est la Wellrod, Les c'est armes, c'est ça. combien de dégâts pour savoir? C'est bien ça, c'est le Wellrod, hein. Ton nom nous fait la même chose qu'elle faisait avant. Ok, ça marche. C'est-tu le Wellrod ou je me trompe? Je sais pas. Faut check c'est quoi le Wellrod. Ben, c'est quelle arme tu voulais nous donner de bord? Un pistolet. Ben, je te disais que le silencieux. Non, c'est pas ça. Pas ça, là. Ça, c'est la marde que t'as demandé l'autre fois, là. Ouais, Avec parce la. que j'en connaissais pas d'autres pour ça. Non, ben là, c'est un. C'est pas canadien, là. Mais le Walter PPK. Il se fait, là. En silencieux, là. Oh, ah, je savais pas qu'il était créé quand, ça, là? Juste. 1929, ah, ok. En 39 ACP, 9 mm de court. Ou en 22 long, ok. Tu vas nous le faire en... En 9 mm, j'imagine. Oui. Ok. Je fais que je regarde, puis ce serait probablement ça, un PPK que vous allez avoir. La Luftwaffe, la police allemande et aussi. PPK qui fait 2L. J'avais pas pensé que le PPK était déjà créé. Oui, ben écoute, James Bond, ça se passe pas ben longtemps après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est vrai. Ben, Ça peut être fait juste après, mais. Donc, écoute, c'est juste ça que je trouve que comme arme, de l'allure. qu'il y a de l'allure, c'est ça. Fait que vous allez avoir un Walter PPK. Ouais, tu peux pas nous popper le SIG P226, c'est un peu trop moderne. Je sais pas, il est Sinon, on tiré. pourrait avoir un Desert Eagle, hein, ça existait déjà à l'époque. Non, le Desert Eagle, c'est de la merde. Ça va toujours l'être. Trop lourd pour se casser. Un trop gros recul pour les munitions. C'est même pas. Six Oh, bah un hour. 44 Magnum. Un petit Ça vaut 44 Magnum, ça passe. le SIG a été inventé en 1983. Ouais, ça, pas long, ça fait pas longtemps qu'il a été créé. Ça, je disais, tu peux pas nous donner le SIG P226. Ouais. Celui-là, le SIG a été fait en 45 ACP puis en 9 mm, je pense, si je me trompe pas. Si je dis pas des conneries. J'ai pas checké. Donc, vous Ok. allez avoir ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une requête de qu'est-ce qu'il va avoir comme arme? Des objets explosifs, c'est de fatigue. Faut que j'ai le temps de demander à tout le monde s'il y en a. Donc, Juste 3, pas plus que 3. Faut pas que ça dépasse de mes poches. Et qu'un accident arrive une deuxième fois. Donc, Non, moi je suis pas. il dit parfait, je vais pouvoir te donner des grenades. Ouais, je vais aussi en prendre une dans le doute. Ouais. Ok, donc tu veux 3 grenades? Archibald, tu veux 3 grenades? Oui. Excuse, je pensais que tu parlais à Franck. Excuse. Ouais, ça c'est Franck. Puis 4 chargeurs à 9 mm pour ma Sten. Ok, C'est un tout. PPK silencieux, tu te dis ou pas? Vous avez les grenades que vous allez avoir, c'est des Mills Bomb. C'est des grenades à fragmentation. C'est les grenades normales que l'armée britannique avait, puis armée canadienne et compagnie là. Donc, vous.
Vous allez avoir des armes normales, plus canadiennes et britanniques, en fait. Donc, si vous voulez des choses qui soient standard pour ce que vous avez. Par exemple, je sais que Frank, t'as une mitrailleuse. Ouais. Donc, j'aimerais juste une précision pour ma grenade. Je veux que ce soit une grenade à fusil, si possible. Ça se montait sur un Springfield, les grenades à fusil? Bah, techniquement, ça pouvait se monter sur quasi n'importe quel type de canon et ça servait de la puissance du tir pour être projeté beaucoup plus loin qu'à la main. Donc, grenade à fusil. Encore une fois, c'est la décision du MJ. Moi, je suis pas sévère. S'il dit que non, non. Il dit qu'il y en a pas, sur lui. Il y en a pas, Donc, ils peuvent pas te fournir ça. Pas de soucis. Alors, une grenade à main. Un piat. Voilà. Un piat. C'est quoi un piat? C'est juste que les grenades, ça ressemble plus à une roquette. Ouais, c'est ça. On tombe souvent sur des tanks avec toi, c'est pour ça. Et on se fend le cul à chaque fois pour les détruire. Mais là, votre mission, ça va être d'aller assassiner quelqu'un, fait que dans un building. Ah, ben d'abord des grenades collantes. Des grenades magnétiques, dans le fond. Ça existait dans ce temps-là? Oui. Les soviétiques. Ah, les grenades, genre comme les grenades à tank que tu colles sur le tank, là. Ouais, c'est ça, des sticks. Ok. Ouais, des grenades quoi? Des espèces de grenades collantes, si tu veux, pour les tanks. Des grenades ça. Ça avec le goudron pour pouvoir être collé plus facilement. Ouais, je pense que c'est comme ça. Dis, écoute, on en a une dedans le véhicule. Je peux te la laisser si tu me dis que t'as vraiment besoin de ça, là. Ouais, ça peut être utile pour une fuite. Est-ce que vous avez des munitions de Panzerschreck et accessoirement un Panzerschreck? Non. Parce que moi, à ce moment-là, il y a pas de problème. La mission d'assassinat, je l'ai fait, mais il y aura pas que lui qui sera mort, et il y aura un bâtiment en moins sur la carte. Non, c'est. On n'a pas de. On n'a pas d'armes. Allemande ici. On n'a pas d'armes de char non plus. C'est le but, c'est pas d'aller se battre contre des tanks là, c'est d'aller tuer quelqu'un là. Oh ouais, mais. Vous avez des bâtons de dynamite. Non. Des pains de C4. Au pire, ça existait pas le C4 encore. Des charges de creuse. Ça par contre, je pense que. C'est des obus chargés. Attends. Des mines terrestres. Je demande tout ce qui est explosif. Finalement, tu finis comme dans ce qu'est... Non, il dit... Il dit que t'as plus... qu'est-ce que t'as, c'est ce que tu vas avoir maintenant. Merde. Ouais, t'as un sac à dos, pis t'es pas juste tout un inventaire, c'est différent. Toi, tu peux mettre n'importe quoi, n'importe comment, pis ça va rentrer. Tant que tu dépenses pas la limite de poids. Rajoute une balle, tu vas être trop lourd. Alors, je suis pas comme dans Skyrim, je suis comme dans GTA, parce que littéralement, si je fais mon inventaire et que je prends ce que je n'ai pas perdu ni enlevé, alors j'ai un Springfield, le pistolet silencieux, plus le pistolet silencieux d'avant, j'ai aussi le couteau baïonnette, j'ai le fusil mitrailleur avec les munitions qui vont avec, j'ai un Panzerschreck sans munitions, j'ai une grenade, j'ai une corde. Je suis pire que dans GTA, j'ai tout en fait, mais qui est collé dans mon corps, c'est incrusté. Et tu vas devoir dire au revoir à beaucoup de ces armes-là, malheureusement. Non! Est-ce que je garde au moins mon couteau? Oui, tu gardes le couteau. Ouais, t'envoies une mission chaque contre des gars avec des guns, mais ton couteau. Bon, alors, je vais demander les armes si j'ai le droit de les garder ou pas. Est-ce que j'ai le droit de garder le couteau? Oui, est-ce que j'ai le droit de garder la mitrailleuse? C'est une mitrailleuse allemande? C'est un MP40. Oui. Okay, et les munitions aussi. Le MP40, le couteau, le Springfield, le flingue silencieux, la grenade, et je veux garder la corde. Attends là. T'en as mis pas mal là. T'affrontes un fusil silencieux, puis t'as un fusil précision, excuse, puis une autre, une petite mitrailleuse à côté. J'ai une mitrailleuse, j'ai un pistolet à silencieux, j'ai un Springfield, une grenade, et je veux garder la corde en plus. D'accord, ouais. C'est moi qui ai demandé c'est bon. De la garde. Je veux garder la carte puisqu'en fait j'ai une idée de folie.
Parfait, donc tu vas pouvoir garder ça. Par contre, pour la mission, tout ce que vous allez avoir le droit d'avoir, c'est le vote. Le PPK. Puis vous allez devoir mettre du linge civil. Ah, donc on a juste le droit d'y aller au pistolet silencieux pour cette mission. Oui. Bon, ben, dans ce cas, je prends juste le pistolet silencieux et la corde. Parfait. Et le couteau aussi, hein, accessoirement. Moi, je te prends au passage une grenade. Ouais, ça fait dans vos poches. Ça va faire une grosse poche, là, mais t'sais, si vous êtes capable de cacher une grenade, ça se fait, là. De cacher un pistolet silencieux, puis trois chargeurs, tu vas être capable de cacher une grenade. Ouais, mais si t'es capable de cacher le pistolet silencieux, puis les trois chargeurs, t'auras peut-être plus de place pour la grenade, par contre. Yeah. Ce que je veux dire, après le holster, d'habitude, t'as genre une petite pochette pour mettre un chargeur à côté. D'habitude, c'est de la place, t'as de la place pour un chargeur. Non, sur le holster. Je prendrais au moins un chargeur de plus, puis. Tu peux les mettre dans tes poches, tu vas avoir un veston, tu vas avoir un habit civil propre. Donc, un complet. Ok, un complet. Ok, faut que la grenade OP. On va juste prendre 2-3 chargeurs, puis c'est tout. Si tu veux, je peux prendre la grenade, mais je te déconseille de la toucher une fois que j'ai pris. Pourquoi tu vas me la lancer dessus comme tu as lancé le molotov sur Gérard, c'est ça? Non, mais c'est parce que je vais devoir la transporter. Et mes poches ne sont pas assez grandes, donc du coup, il va falloir trouver un autre moyen de la planquer. Ah, peut-être que par l'endroit où le soleil est. Mode GTA. Je l'ai dit, il faut y aller en mode GTA là. Par contre, j'ai pas intérêt de me chier dessus. Justement, dans GTA, t'es caches où tes armes, t'es sans de. La même place que Link. C'est pour ça que je dis ça, donc du coup, ouais, je maintiens ce que je dis. Juste que j'évite de me chier dessus face aux nazis. Donc, les gars, c'est ça qui va compléter la partie pour aujourd'hui. Et la prochaine partie, vous allez pouvoir en finir avec Hans. Non, avec. Pas Hans. Klaus. Klaus. Santa Klaus.